Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog, je suis trop contente. Alors il faut absolument que je fasse un update parce que là c'est le bazar. Donc du coup pour se reposer avec Jérémy, on s'est dit que on allait bouger un petit peu de Versailles parce qu'on est enfermé toute la journée. Moi vous savez je suis malade en ce moment, attendez j'ai envie de m'asseoir par terre. En ce moment je suis malade, je vous ai déjà expliqué un petit peu. Je pense que ça se voit à ma tête là, je me vois, je suis super blanche, ça m'énerve. Donc du coup on s'était dit que pour me reposer j'allais un peu changer d'air, on a décidé de partir. Pour l'instant là on est à Biarritz, je ne sais pas ce qu'on fout là honnêtement. On s'est dit qu'on allait voir un peu de la famille et puis voilà, donc on savait pas trop, on sait vraiment pas ce qu'on fout là. Du coup on s'est dit qu'on allait rester à Biarritz et voir ce qu'on faisait, si on bougeait un peu dans le sud etc. Et du coup sur le chemin qu'on est venu de Versailles à Biarritz en voiture, on s'est dit qu'on allait sûrement aller en Espagne ou descendre un petit peu quoi, pour vraiment changer d'air parce que là vraiment je... On est arrivé il y a pas longtemps, là Jérémy il est parti chercher sa carte bleue dans la voiture qu'il avait oubliée et on a commandé des pâtes à un italien juste à côté, donc j'ai hâte qu'on reçoive ça. On a pris, je sais plus ce qu'on a pris, et puis voilà, donc là on est là juste pour une nuit, on a rien réservé du tout encore, vraiment on est parti comme ça parce que vraiment on saturait et surtout que demain c'est le 31, donc vraiment rien de prévu. Petite tenue de voyage, comme d'hab, mon jogging, vous me demandez tout le temps, il vient du site Asos. C'est pas la marque Asos, je me souviens jamais de la marque, mais en tout cas vous pouvez le retrouver. Alors, elle est très mignonne la chambre, franchement, elle est pas très grande mais elle est mignonne. Donc l'entrée, voilà, il y a des petits rideaux, des petits trucs. Ensuite je trouve ça trop mignon, le lit, la tête de lit pardon, je trouve ça grave mignon. Voilà, un lit tout simple avec mon sac, que j'aime trop. D'ailleurs je vous ai mis des petites stories sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre si jamais ça vous intéresse. Ensuite là, l'endroit où je vais passer littéralement toute ma soirée parce qu'il faut absolument que je monte vlog, mon dernier vlogmas. Voilà. Petit dressing, très mignon. J'ai hâte de voir surtout là où, enfin je sais pas du tout les plans, on n'a rien réservé. Donc on va voir un peu. Et la salle de bain, grave cool parce que bon malheureusement je vais, enfin demain on va sûrement faire de la route, donc je vais pas me maquiller. Mais en tout cas elle a vraiment la lumière parfaite pour se maquiller. Petite salle de bain trop simple, très mignonne. Moi de toute façon quand c'est blanc ça peut que me plaire. En plus on a du luxe donc c'est parfait. Simple mais efficace pour une nuit, franchement très très bien. J'ai hâte de manger mes pâtes là, j'ai trop faim. Je sais pas si je vais vlogger ce soir, je pense pas. Je me demande ce qu'il y a comme vue. Ah bah c'est un toit. Rien de spécial. On se retrouve demain. The next day. On s'en va. Il est 10h24. Du coup je vous explique vite fait, mais en gros on était pas loin de l'Espagne, on était juste à côté. Et en fait on s'est rendu compte en regardant sur internet, l'Espagne il me semble est confinée et du coup on ne peut pas, genre on peut traverser l'Espagne en voiture mais on ne peut pas s'arrêter. C'est vraiment dingue, c'est trop trop bizarre. Et en fait c'était trop bizarre parce que je pense vraiment qu'ils sont confinés là. Et en fait sur la route on était tout seul, comme si en France il y avait, enfin on se baladait vous savez sur l'autoroute pendant un confinement quoi, on sait comment ça se passe. Et donc du coup c'était trop trop bizarre. Donc en fait on s'est dit qu'on allait à la Porto. Hier on a cherché jusqu'à tard genre les hôtels et tout, et on trouvait pas parce qu'en fait il y avait rien qui nous, enfin on était prêt à rentrer en fait, il y avait rien qui nous permettait d'aller je ne sais où. Donc c'était trop trop bizarre. Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a regardé Porto, donc on s'est dit ok on va à Porto, donc on commence à regarder les hôtels et tout, et on regarde Porto, en fait il y a un couvre-feu comme par hasard à partir du 31 minuit. En gros on peut sortir entre 5h et 13h et sinon après 13h c'est couvre-feu, genre c'est confinement jusqu'au 4. Donc c'est du 31 au 4, ce qui est complètement, enfin je trouve ça dingue. On s'est dit tant pis on vient à Porto parce que c'est tellement délicat, c'est tellement le dernier moment. Donc on s'est dit qu'on allait prendre un hôtel assez cool qui nous permettait du coup de rester vraiment à l'intérieur et de profiter avec une piscine. En fait il y avait aussi des hôtels, enfin des chambres avec des jacuzzis sur le balcon, mais il y avait plus de place. Donc. Et puis voilà, donc on va voir, Jérémy arrive. Ouh. Grave beau. 125. Je viendrai les récupérer. Là je peux pas trouver. Putain c'est stylé. Trop stylé. Il est long et noir. Ah putain le lit il est énorme. Oh la chambre. Oh la chambre. Attends c'est la télé ça. Ouais. Et la salle de bain. C'est trop bien. Ouais c'est grave beau. Comment c'est beau. De ouf. Là. Ouah les portes et tout, regarde. Trop belle. Trop beau.
Mais ça, oh ouais, c'est trop stylé, tu vois rien? Non. Et maintenant, s'il n'y a pas une télé là? Non, il n'y a pas une télé. La terrasse. C'est grand. C'est grand? Vas-y, sors. Waouh! C'est celle du milieu. On a celle du milieu. Celle que je voulais. Putain, on va bronzer là comme des. Comme des lâches. Putain, c'est trop bien. À deux, on rentre. On fête le nouvel an à la salle. Dans 20 minutes, on est en 2021. En France, c'est vrai que c'est déjà le nouvel an. 2021, il est minuit. Ça, je peux pas, me prendre à froid comme ça. Il est minuit une. Je faisais un exercice d'abdos de Pamela. The next day. 1er janvier 2021. Ce sera dans une vidéo. J'ai hâte de voir le petit-déj. C'est l'air grave. Là-bas, il y a tous les fruits. Il n'y a pas grand-chose en fait. Ouais. On a pris. J'ai pris la même chose. Par contre, j'ai pris qu'un pain, je vais aller en manger un autre après. J'ai pris de l'avoine avec du lait d'avoine, de l'ananas. Comment tu vas l'ouvrir? Quoi? Comment tu vas l'ouvrir? De quoi? Le lait d'avoine. Bah, il y a un trou. C'est pas la paille. Bah, et alors? Bah, oui. Et il y a des thés qui arrivent. Yam yam. Bon, je viens de rentrer dans la chambre. Jérémy, il est en bas en train de finir son petit déj. Franchement, c'était bon, mais c'était pas non plus le petit déj de l'année. Genre, on va pas manger ça tous les jours, je pense. On va découvrir d'autres choses en ville. J'ai trop mangé là, je vais exploser. Je vous montre du coup la terrasse parce que là, c'est lumineux. Mais en vrai, c'est trop mignon parce que là, s'il fait chaud, tu te mets là, c'est trop bien. Hein. Ça, trop bien. J'aime beaucoup. Franchement, cet hôtel, il est incroyable. Du coup, le programme, c'est que là, je vais aller me doucher, me maquiller, m'habiller. On va aller en ville parce que ici, couvre-feu à 13h. En fait, couvre-feu, ça veut pas dire la même chose qu'en France. En fait, ici, ça veut juste dire que tout ferme. Ça veut pas dire que nous, on doit rentrer chez nous. Donc, on peut quand même se balader, mais on a réservé hier avant de savoir ça. La piscine ici, parce qu'en fait, il faut réserver avec le Covid, c'est que 40 minutes par personne. Enfin, par chambre, par couple. On peut être 6 maximum. Et du coup, on a réservé pour 14h. Je vous ai pas dit, mais bon. Bonne année, je suis trop contente. On est le 1er décembre, je pense que j'aurais déjà sorti une vidéo où je vous souhaite la bonne année. Mais je vais encore vous le dire, bonne année, bonne santé, bonne résolution. On oublie 2020. 2020 nous a fait grandir, nous a appris. Maintenant, on applique tout ce qu'on a appris. Réussi, voilà. Je suis pas très forte en vœux de bonne année, de bonne... Mais bon, en tout cas ça vient du cœur, peu importe ce que je dis. Franchement hier en fait, moi je suis allée à la salle genre juste avant de... Même pas une heure avant la nouvelle année. On s'en foutait un peu honnêtement... Franchement on s'en foutait un peu d'habitude, je m'en fous pas, mais genre là, bah je m'en foutais un peu. On s'est souhaité bonne année dans la salle de sport, puis on a fait, moi j'ai fait plein de sport. Du coup je pense que je vais y aller vraiment tous les jours, je vais profiter du fait qu'il y ait une salle de sport à disposition. Puis elle est grave cool, et puis du coup je vous montrerai tout, la piscine etc. Et puis là tout à l'heure on va aller se balader en ville, j'ai trop envie de goûter un petit truc. C'est un petit truc rond, c'est une spécialité portugaise, donc j'ai trop envie de goûter, je vous montrerai. Et puis voilà. À la piscine, je viens de faire du sport. Je suis comme une malade, je suis en peignoir. C'est une énorme séance de sport et c'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Là en fait, vous avez des douches. Je vous montrerai évidemment la piscine, mais tout est trop beau. Et en fait, là, juste là, c'est la salle de sport. Mais avec le Covid, en fait, on a le droit à 40 minutes.
regarde, voilà. C'est ce que c'est, c'est le granola. Oh, je t'ai dit que ce serait foula. Beaucoup trop gros. Non, ça c'est le tien, ça. Si. Et voilà. Tu regrettes ? Ça a l'air grave bon. Non mais bon, j'aimerais bien qu'on m'écoute. Franchement, je vous jure qu'on vit vraiment notre meilleure vie dans cet hôtel. The next day. Il fait très très beau. On a juste des petites vestes. J'ai mis un col roulé avec une petite veste, un petit jean et des bottes. Là, il est quelle heure ? Midi et on va prendre un brunch. On a trouvé un brunch sur TripAdvisor. Et ensuite, je pense qu'on va faire quelques photos et après, on va rien faire. On va rester à l'hôtel. On n'a pas réservé ni de piscine ni rien. Mais moi, j'ai trop trop envie de faire du sport. Et voilà, c'est tout. On verra. Il faut que je me fasse les ongles. Voilà. Alors pendant tout ce vlog, vous allez pouvoir un petit peu voir ce que je fais au niveau du sport. Et j'avoue que c'était un petit peu le bazar, je faisais plein de challenges en même temps. Celui-ci, c'est le challenge d'Alexis Ren. Vous pouvez le retrouver sur le site warrior.com si je ne me trompe pas. Là, c'est surtout abdos, fessiers. Honnêtement, ce challenge, il est vraiment trop trop bien. Si vous voulez vraiment grossir des fesses. Bon, moi j'ai pris un petit peu des cuisses, j'ai remarqué depuis que j'ai commencé le challenge. Mais vraiment, ça fait vraiment de bons effets. Et du coup, à chaque fois que je fais du sport, je vais vous montrer un petit peu les séances que je fais. I try to focus on breathing. My heart is getting a beat. Terminé le sport, j'en peux plus, je suis restée grave longtemps, je suis restée presque une heure et demie je crois, je fais pas des séances aussi longues normalement, et regardez ma peau, je suis dégoûtée, j'ai des petits boutons à cause de la crème solaire Glossier pour ceux qui ont vu le dernier vlog, et bah figurez-vous qu'elle me fait des boutons, une de plus sur la liste à rayer, je suis dégoûtée, et j'ai fait du sport maquillée, sachez que ça ne m'arrive absolument jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, genre là c'était exceptionnel, du coup là quelle heure il est 21h05 dis donc, je pensais qu'il était plus tôt, on est dégoûté parce qu'en fait à chaque fois qu'on veut réserver en bas pour manger au restaurant de l'hôtel, il n'y a jamais de place pour toute la soirée, genre ils sont complètement complets. Je trouve ça hallucinant qu'ils refusent des clients pour manger alors qu'il y a un couvre-feu, genre on peut pas manger dehors, on est obligé de se faire livrer Uber Eats, enfin c'est trop chiant. Donc j'ai réservé pour demain en avance, demain soir, et du coup je vais regarder ce qu'il y a sur Uber Eats et Jérémy va me rejoindre juste après. Et puis on va manger demain, le programme franchement chill, on va manger je pense, remanger comme ce matin, c'était trop trop bon le brunch, et puis traîner un peu quoi. Et ensuite pour le dernier jour, on a prévu, comme il n'y aura pas de couvre-feu ce jour-là, prévu de vraiment profiter à fond de tout ce qu'il y a dans la ville. Donc voilà. On mange à l'hôtel finalement. The next day. On retourne manger un brunch au même endroit qu'hier. Aujourd'hui, je vais essayer de filmer deux vidéos, un make-up et mes résolutions de 2021. Puis faire du sport. Monter le vlog. Non, monter les résolutions. Parce que c'est celle qui sort mercredi. Et voilà, le programme de la journée. Habillé avec un parachute. J'ai mis un bomber de chez Zara. C'est vrai, je t'ai pas attendu. Je suis un débile. On attend nos frites. Nos fritas. Ils ont oublié nos fritas. C'est pas bon? Et du coup, il est tard, il est 23h30. Je rejoins Jérémy pour une séance de sport. Thank you.
next day. On va dans un... On peut dire que c'est un bar à chat? Ouais, c'est un bar à chat. Ouais, bon, on va dans un bar à chat. Et on part demain. Demain matin, tôt, pour Bordeaux. On est triste de partir. Il y a eu 4 fans, les chats, ils ont été en manque d'affection de ouf. Oh oui, on sera là pour eux. L'endroit était vraiment trop trop mignon, la nourriture très bonne et vraiment pas chère. Et je voulais juste vous préciser que les petits chats que vous allez voir qui sont en cage, ils nous ont expliqué qu'en fait ils étaient obligés de les mettre, c'était le temps qu'ils s'habituent à être avec les autres. Oh non, c'est trop mignon. Petit baby, baby. Viens l'autre dans son trou. Hein? Lui c'est vraiment les matous. Regarde avec son oreille qui est... Oh c'est trop, désolé. Ici c'est les soldes, alors du coup on regarde les magasins, c'est la première fois que c'est ouvert depuis qu'on est arrivé. On va essayer d'aller au bord de l'eau. En fait on était choqués de voir que ici, tous les immeubles, genre vraiment tous dans toutes les rues, vraiment sans exagérer, presque un bâtiment sur deux est abandonné. C'est super bizarre, enfin on pensait pas du tout. Wow. Quoi? Ouais, de ouf. Là, on voit. Bref, et du coup, mais vraiment, c'est très spécial. Tout est abandonné en fait. Tout est abandonné et on va se renseigner, mais si quelqu'un aurait une explication à nous donner. Depuis le début en fait ça nous choque parce que déjà quand on rentre dans Porto, en fait c'est vraiment que des bâtiments, enfin beaucoup de maisons abandonnées à l'entrée juste de la ville. Du coup c'est quand même bizarre parce que Porto c'est une grande ville quoi. Donc on comprenait pas trop. Je vais vous montrer après. Mais vous voyez par exemple là, c'est tout un bâtiment et vous voyez les fenêtres elles sont bouchées. Et c'est ça absolument de partout et absolument, c'est vrai, mais là ça fait peur, hein. L'escalier tu tombes, tu te fracasses, Covid-19. Ici les Uber c'est super pas cher, je pense que, je sais pas si je vous mettrai déjà aussi les tarifs de quand on mange, les tarifs au restaurant etc, parce que ça coûte rien. Par exemple ce matin on a pris tous les deux des espèces de sandwich avec chacun un thé et après on a repris des sandwichs, on a eu pour 22€ alors qu'en France, super cher là où on était pour les chats. Et les Uber c'est super pas cher. Bon la nourriture en général, mais les Uber c'est vraiment grave pas cher. Genre là par exemple on va à la mer, c'est à 12 minutes en voiture et on paye 5€ de Uber, c'est vraiment rien. Voilà, et je sais pas pourquoi je vous parle avec une coupe de cheveux pareil, mais bon. Donc là on attend notre Uber. Et du coup on aimerait trop aller faire le funiculaire et le coucher de soleil, on a réservé dans un restaurant ce soir. Quoi? Ah merde. Oups, je vous raconte après. Et du coup je disais, on a réservé dans un restaurant ce soir. Je crois qu'il s'appelle The Ribs et ça a l'air tellement bon. Et en fait on voyait le premier soir, nouvel an, mais il n'y avait plus de place. Du coup voilà le programme, faire des petites photos, le coucher du soleil, comme ça on rentre à l'hôtel tôt et voilà. On est à la mer, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mer, depuis cet été. Ouais. Cet été. Je me sens comme ça. Quoi? Je me sens comme ça. Quoi? Ouh. Il y a de la mer, je vais. J'ai très soif. C'est l'air du funiculaire. Je t'ai jugé vraiment. J'ai resté moi pour moi dans le bois. T'as pas idée. Hein. Oh my god. C'est vrai que c'est un pont, il est. C'est beau, mais. Ça fait peur. T'as peur de... autant que ça? Ah non, t'as pas idée. Vraiment, j'ai vraiment le vertige, genre. Heureusement qu'il n'y a pas l'eau. Oh sa mère. Oh, quand tu t'approches comme ça, j'ai envie de pleurer. Je me mets là. Ah non, je sais pas. Arrête. Allez. Tu me fais pas une dinguerie, hein. Non. Au moment de me larguer. Oh là là. Oh, je me sens comme ça là. Mais il faut m'aider, hein. Oh sa mère. Mais non. Oh sa grand-mère. Et d'y aller aussi, moi. Oui, mais il y a un trou. Ah, chier, c'est 10€ pour pleurer.
Bougeur. J'ai peur de sortir mon téléphone, il y a besoin que tout va dérouler. Mais non, tiens, regarde, tu debout. On dit profite, sinon après c'est. Oui, je profite, je profite. Wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. On est dans un restaurant qui a l'air incroyable, un restaurant de ribs. Pourtant on n'est pas très viande, mais on a vu sur internet, ça a l'air trop trop bon. Ok, voilà, bonjour. Les frites, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça n'a aucun sens. The next day. On s'en va. On arrive dans 7h50. On arrive où? À Bordeaux? On va à Bordeaux? Non, à Biarritz. À Biarritz? Ah bah à Bordeaux c'est mort. Bordeaux c'est 55h de mort. Ok. On est super en retard. On espère pouvoir passer sans se faire amender. On est arrivé à Bayonne, c'est notre point de pause, de repos. Je vais faire mon montage, ma vidéo, résolution, pendant qu'on attend à manger. On a commandé quoi? Un thaï? Un thaï. Donc voilà pour ce vlog, je suis trop contente qu'on ait pu partir, c'était vraiment top, ça nous a fait trop du bien. En sachant qu'à l'heure où je vous parle, ça fait déjà quelques temps qu'on est parti et je pense qu'on s'attend tous à un confinement, donc écoutez, j'espère que ça va aller. On dirait que j'ai plus de cheveux, mais si, j'ai un chignon, un petit chignon. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous partage énormément de choses, vraiment. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message, je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et je fais des vidéos de make-up, de vlog, de cuisine, de tout. Tout ce que vous voulez, de sport, voilà, un petit peu de tout. J'essaye de varier un petit peu les sujets, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je serai très contente. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.